Donc il s'agit d'un projet européen Horizon 2020 qui a commencé en 2019. Nous avons fait passer une quarantaine de sujets, et sur ces 40 sujets, on a une personne qui a arrêté au bout de quelques minutes parce qu'elle se sentait vraiment pas bien. On a développé ce prototype pour rendre du coup autonome une voiture initialement conventionnelle. L'installation est composée du coup de la tablette qui est reliée elle-même à une carte électronique qu'on appelle une carte Arduino. Elle est reliée du coup au logiciel du PC ici qui s'appelle DR2 et qui permet du coup de faire fonctionner l'ensemble de la simulation. Nous avons mis quasiment un an pour développer ce prototype et cette tablette avec un partenaire du coup privé luxembourgeois, Inetum, qui est du coup spécialisé dans le développement informatique et électronique. Et en fait, nous avons collaboré ensemble pour pouvoir développer du coup la tablette qu'on propose aujourd'hui. Nous, on a donné un cahier des charges, des recommandations ergonomiques, et petit à petit, en fait, les gens qui développaient électroniquement et informatiquement ont fait des essais. On a eu plusieurs versions, on a eu 3-4 versions, qui à chaque fois, nous avons été amenés à tester directement dans le véhicule pour pouvoir modifier tout ce qui était fonctionnalité ergonomique, graphique, visuelle et d'interaction directement avec la tablette. Il s'agit d'une voiture de niveau d'autonomie 3, c'est-à-dire qu'elle peut être capable de conduire toute seule, donc la personne, le conducteur, peut activer la conduite autonome, donc c'est-à-dire qu'il peut regarder son téléphone, lire, écrire, mais il ne peut par exemple pas dormir, parce qu'il faut qu'il puisse être réactif pour reprendre le volant quand le système le lui demande. Alors du coup, nous avons fait passer une expérimentation auprès de 40 sujets. On les a fait venir au laboratoire, on les a équipés de capteurs de fréquence cardiaque, des capteurs de température cutanée, de perspiration. On leur a mis également des lunettes Tobii qui leur permettent d'analyser du coup l'activité oculaire pendant qu'ils sont en train de conduire. Et ajouté à cela, en fait, on les a interviewés, on leur a également posé des questionnaires pour savoir comment est-ce qu'ils avaient vécu l'expérience au sein du simulateur et face à notre prototype, pour savoir du coup un petit peu leur ressenti afin qu'ils puissent se projeter dans des véhicules autonomes et savoir comment est-ce qu'ils se sentiraient en confiance, en sécurité, et si c'est quelque chose qui leur donnait envie ou au contraire qui leur faisait peur.